Mais pourquoi vous mettez un masque à gaz? C'est parce qu'on va balancer une putain de lacrymo dedans. Oh non. Oh mon dieu. Et oh, Hans, l'allemand, tu connais bien ça le gaz, toi. Ah, va te faire. Ah, c'est la liste, ça. Arrêtez. Non, les gars, de vos potes de mon pays. Il est parti à Cayo Perico, il a volé de la drogue là-bas. Oh là, haram, j'en étais sûr. Non, c'est pas vrai. Zibel qui est. Non, s'il vous plaît, non, arrêtez, non. Oh là. Ça l'avait rafle forme. T'es plus mon ami, Hans. Et donc, c'est vraiment mon appartement qui s'est fait cambrioler? Oui, oui, c'est le vôtre, c'est le vôtre. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ouais, bouge. Je pense que c'est arrivé, hein. Hein, oui, la Pookie, je vole tout chez toi. En fait, t'as tout volé chez moi. Je sais pas, moi. C'est pas moi, ça. C'est mérité. Malade ou quoi? Mérité ma gueule, en plus. Salut, salut. Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Bon, les gars, on s'est fait cambrioler ici, c'est bon. Moi, je déménage, hein. Je vais appeler Hans, je veux dire, on prend nos clics et nos claques. C'est moi, les coms. Oui, allô? Ouais, Hans, ça va quoi? Oui, ça va et vous? Ouais, tranquille. Hans, on déménage, hein. C'est bon, moi je me suis cambriolé hier, c'est mort. Hein. Bah oui, bah je suis venu déposer plainte, là je suis avec les policiers. Quoi? Par rapport à ça. Mais contre qui? Bah contre Daniela, on a toutes les preuves. On ouais, mais on s'en bat les couilles, on déménage, puis c'est tout. Oui, mais c'est... ça me gratte, c'est plus fort que moi, faut que je pookie. C'est la semaine pookie. Bah ouais, il faut que je pookie. Ouais, mais est-ce que tu vas gratter un billet? Je sais pas, je suis avec Ben Barret qui m'a déjà fait deux bavures policières, hein, donc faut voir. Il a déjà fait deux bavures policières, lui? Trois bavures. Trois bavures? Ouais. En combien de temps? Une minute. Oh, il est bon, hein. Ouais, on peut négocier un prix pour racheter les sources. Ouais, c'est un bon quota. Ok, ah. J'arrive. Bon, écoute, cherche ma voiture et puis on se capte. Oh, c'est mon locateur de voiture préféré. Yo, ça va quoi, les boys? Ouais, salut, comment ça va? Raconte quoi? Ouais, ça... bah merci hier pour la location. Ouais, tranquille. Hein. Maintenant, je fais des petits tours en hélicoptère et tout, on a investi. Ah ouais. Ah ouais. Trop fort. Ouais, bonne barrette, ça va quoi? Encore Richie. Ouais, tranquille. Il est où, Hans, ce con? Oh bah merci, non, on y va en tout cas. Oui, dis-moi. Putain, c'est la semaine Pookie, il a du travail là. Oh, c'est la semaine super pookie même, hein, laisse tomber. Hein. Putain, mais c'est quoi ce style? Regarde là. Hans, c'est quoi ça? Bah quoi, c'est une tenue de la race. C'est ta caisse devant là, primo rouge et noir? Oui, c'est moi. Ah ouais, d'accord, ok. T'as de l'argent toi? Eh oui, vous avez vu? Ah, c'est... bah tant mieux si t'as de l'argent, c'est très bien. Très bonne nouvelle. T'as demandé des sous, hein? Eh oui. Allez, on va déposer ma plainte. Oui, bah viens. Bah, attends, mais il est con ou quoi? Mais c'est mon appartement qui a été cambriolé, de quoi tu me parles toi? Bah oui, là, c'est moi le propriétaire. En fait, ils étaient à l'appart. Ouais, bah je les ai goumés, fin de l'histoire, je porte pas de plainte moi. Ok, venez, on va dans le bureau. On va faire de la paperasse pour rien, ça va jamais de toute façon, ça va jamais devant le tribunal ça de toute façon. Mais si, je veux aller devant le tribunal. Ah si, cambriolage. Cambriolage, allez, arrête. Allez, dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, j'étais là hier à... Ouais, alors après avoir dégusté un bon tagine, Hans m'avertit qu'effectivement sur Zoop une photo traîne de mon appartement, avec comme description, Hans, on t'a... C'est Hans la Pookie, on est chez toi, c'est ça Hans? C'est ça. Ok, du coup je crois que Daniela ensuite l'appelle en lui disant qu'elle a tout vidé chez Hans, alors que c'est chez moi. Et bref, on débarque, dans le salon y'a rien, dans la cuisine y'a rien, et j'arrive dans la chambre, stupéfaction, deux individus en train de danser sur du shabby, sur mon lit, avec des chaussures. Donc forcément, bah... Ouais, du shabby, ouais. Du coup, je m'énerve, évidemment, moi j'aime pas trop le shabby. Patate, je les dégage, j'appelle l'ambulance, et voilà, fin de l'histoire. Hein. Je sais plus que deux. Mais on peut gagner de l'argent. Mais je m'en bats les couilles de gagner de l'argent, j'ai plus envie de les revoir, moi, du tout. J'ai pas envie de les revoir, moi, au tribunal ou quoi. Quel argent? Tu vas gagner quoi? $500? Non, après, c'est vrai, Richie, t'es un rat, t'es censé prendre tout l'argent que tu vois, mais... Eh oui. En fait, on a un client, monsieur Richie. Ah ouais, dès que vous êtes là, je vous appelle et... Combien? Nettoyage, faut voir ça avec lui. Il a des cafards, par contre, faudra préparer... Oh non, c'est un O'Neill, Juste, non, Richie, comment ils sont rentrés chez toi? Ils avaient les clés? Non, mais genre, apparemment, j'ai laissé la porte ouverte. Oh, genre, ils ont forcé avec un pied de biche ou un truc comme ça. Mais c'est tout. Et t'as rien perdu? Ils t'ont rien volé? Frère, je venais d'emménager, j'avais même pas encore déménagé. Non, j'avais quelques cartons, tu vois, mais genre, ils ont rien volé, quoi. Tu vois, j'avais des cartons, ils ont même pas pu déballer. Ils ont eu fracassé un peu le mobilier, tu vois, mais... Ils ont volé votre intimité aussi. Non, j'avais pas encore passé une seule nuit là-dedans. Oui, mais ils sont rentrés chez vous. Mais je m'en bats les couilles, là, ce soir, on déménage, je me prends notre appartement. Et toi, tu me portes la poisse, je vais le faire tout seul. Lui, il a les clés de chez moi, il paye rien du tout. On demande c'est qui le rat entre nous deux. Vous avez aussi les clés de chez moi, et vous payez quoi, rien du tout? Ah, mais frère, moi, je t'ai rien demandé, moi, pour les clés. Hein. Ah, c'est vrai, il t'a engagé aussi. Ah, hein. Ouais. Si, vous m'avez dit d'en faire de... Putain, la haute. Il vit dans un motel. Putain, la haute, hein. Eh, sa voisine, c'est une grosse tour en plus. Mais vous savez que, en fait, j'ai appris que c'était là où est-ce qu'on était, c'était un quartier. Hein. Ah ouais, bah c'est pour ça que je vais me barrer d'ici. Hein. Mais bon, frère, à chaque fois, ils vont me demander de l'argent, ils vont me soulever et tout, c'est bon. Vous étiez chez qui? Bah, on était, Marina là. Apparemment, l'ancien quartier. Ouais, c'est l'ancien quartier broker ça. Ouais, voilà, mais moi je sais. Plus là-bas du coup. Bah non, mais bon, Daniela, apparemment, c'est son quartier, tu vois, donc.
C'est pour ça qu'ils ont cambré l'appartement. Ils pensaient que Hans, genre, avait fait exprès de venir rôder là parce que tu sais, l'histoire entre Daniela et Hans. Rien du tout. Okay. Oui, oui, bah oui. C'est pour ça que, genre, tu t'inquiètes pour elle et qu'elle te soulève et que tu lis mon amour. Je après... Non, 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 c'est faux. Arrêtez de dire ça. Mais frère, mais hey, c'est arrêtez. Le mec le plus instable du monde. Un jour, il dit mon amour, je t'aime, il l'embrasse et le lendemain, il en a rien à foutre. T'es chelou! T'es chelou! Tu te rappelles qu'il y a deux jours, t'étais en train de pleurer au téléphone pour me dire où elle était? Mais ouais, c'est ça! C'est pas vrai! Arrête. Et hier, il l'a fini au sol avec un coup de pied, va comprendre! Mais arrêtez, mais non, penalty! Mais... On peut vraiment pas compter sur toi, hein! Mais si, mais. Il est bipolaire, c'est pas possible! Je te jure, c'est trop! Bah, mais non, moi je porterai pas bien, je vais juste déménager et c'est tout, je m'en fous! Okay, je vais me plaindre par contre auprès de l'agence immobilière parce qu'ils m'ont dit que c'est un quartier tranquille, y'a pas de soucis! Premier soir, boum, cambriolage! Ah, bah, ils sont morts! Bon, ok, bah, ça marche! Voilà, bah c'est tout, hein. Pas besoin de porter plainte. Hein. Oh, j'avais les preuves photos, okay. J'avais tout. T'as pas besoin de preuves photos, t'as l'identité des personnes. Qu'est-ce que tu vas faire avec des preuves photos? T'es sur les dieux. À chaque fois que je. Les photos, je c'est tes yeux. Oui, mais non, ils me croient pas, c'est policier incompétent. Quoi? Ils sont vraiment incompétents. Ouais, moi, j'ai rien vu, vous pouvez taper. Pas policier, franchement, rien. Ouais, bah voilà, là c'est bien. Il y a une casse la tête. Là c'est réglé, là. Ah, je vous raccompagne. Parfait. Non, arrêtez, laissez-moi tranquille. C'est mon garde du corps. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent, les éclairs au chocolat là? Ça prend trop de moi là. Qu'est-ce qu'il y a à bordel? Reculez, c'est mon garde du corps, il va vous goumer. Distance sécurité. Distance de sécurité. Donc, pourquoi ils ont fait deux croquis, je le tue? Bah, c'est vrai. Ah ouais? T'es sûr? Bah, essayez. Ok, bah, viens alors, viens, on sort. Allez, c'est parti. Vous allez voir la pouilleuse. La dernière fois, deux croquis. Oh, c'est toi le pouilleux d'abord. Attends, il fait quoi lui? Attends, il fait quoi avec la caisse? Eh, il est en train de défoncer une caisse là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le Grinch. C'est qui? C'est le Grinch. On l'attrape. Arrête-toi, le Grinch. Arrête-toi. Oh! Arrête-toi le Grinch, arrête-toi! $100, je paye $100, monsieur, ben, c'est vrai! $100? Ouais, beaucoup là. Plus, t'es sérieuse là? $100! Hey, tu cours plus vite que moi, wesh! C'est normal, j'ai le port ukrainien qui vibre au mois de février! T'as quoi? La porte ukrainien! Ah ouais, je comprends rien ce que tu me racontes! Oh, il est là! Il est là! Non, ne tapez pas! Viens ici, clamolette! Viens ici! Il y a toute la ville derrière toi, c'est des enculés! On va t'attaquer! Oh, t'es mort! Arrête, t'es mort! Copster! Allez, viens là! C'est bon, t'es cuit, enfoiré! Attends, le Grinch, il est pas vert de base? Bon, on va te cogner, c'est bon! Je sais pas, mais pourquoi tu cours? Parce que je cours! Mais moi je cours parce que tu cours! Bah moi aussi! Arrêtez-le, monsieur! On a qu'à arrêter de courir! Arrêtez-le! C'est mort! Erreur fatale! Ah là, c'est vrai! La moto, quelle erreur! Tout était parfait! Alors le Grinch! Pourquoi l'attraper d'ailleurs? Je sais pas, pourquoi l'attraper en fait? Je sais pas pourquoi on court! Est-ce qu'il a frappé notre voiture? Eh ouais! Vous avez frappé la voiture de la pouillasse? Ils ont déglingué la caisse! Ils ont Pokab! Ah, bah tranquille alors! On va se faire percuter! Oh, bougez-vous! Elle est où ta caisse, Hans? Au commissariat? Vas-y, bon, on va au commissariat alors! Attends! Eh, l'Ukrainienne! On devait se taper, viens! Oui! Attends, on a oublié, tu me donnes combien? Hein non, je vous paye déjà pour la semaine. Ah ouais, $3000, ouais, super. Eh oui. Ouais. Vas-y, tu t'appelles comment? L'Ukrainienne m'a fait perdre $2000. Olena, vas-y, enchanté. C'est quoi tu veux? La bague. Voilà. 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 Bienvenue, ça va? Ça va aller, calme, ça y est. C'est passé quoi? Vous l'avez goûté. Ah, j'ai vu tout noir, je te jure, Foiré. Quoi? Mais j'ai rien fait! T'as tué mon soeur! Mais non, j'ai rien fait! T'as tué mon soeur! Mais non! Il l'a tué, arrête! À nous deux! Non, arrête! À nous deux! Je suis pas énervé! Laissez-le, je suis pas énervé! Calmez-vous, arrêtez! Ça ne sert à rien! Il a frappé mon soeur! Non, mais c'est mérité, elle m'a fait perdre $2000! Ouais, attendez, je vais appeler l'ambulance. J'ai fait pour elle. Comment ça? Après, c'est elle, elle m'a dit, elle me mange, elle me plie en quatre et tout. Je vole pas d'autre soeur, c'est mon seul soeur. Ça fabrique, les soeurs, ça pousse sur les arbres. Ah, tu peux crafter ça, hein. Regarde, tu prends un pantalon, ensuite un capuche, un casque, c'est bon, t'as une autre soeur, hein. Bien sûr. C'est pas vrai, je dois tout. Ah bon? Tu t'appelles comment, toi? Elle a avoir tout fait pour moi, c'est vrai, tu m'appelles Séraphim d'abord. Quoi? Séraphim? Je m'appelle Séraphim. T'es ukrainien, toi aussi? Bada, c'est mon soeur jumeau. On dirait le nom d'une pommade, Séraphim. Ouais, c'est ça. Un petit bobo? Prenez du Séraphim.
C'est vrai que ça fait un peu comme ça. T'as de l'argent, c'est arrêtez la fille. Arrêtez. C'est vrai. Attends, elle s'appelle comment déjà, Olena? Olena, ah bah t'inquiète pas, mais... la bus elle arrive, Olena. C'est la pouilleuse. Arrête-toi de dire la pouilleuse. Et toi, madame, t'appelles comment? Oui, je m'appelle pas... Baby. Comment? Ouais, c'est ça. Baby. Si je passe à baby pour comment c'est partie possible? Là, y a bah, je m'appelle Baby, c'est tout. La jure, c'est ton pseudo ou genre c'est un surnom? Je m'appelle comme ça. Vas-y, carte d'identité. Tu t'appelles comment toi? Moi, je m'appelle Richie. Enchanté. Richie. J'ai pas de carte d'identité. Ouais, bah ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnerait. Mais avec un sac à dos de Lara Croft avec une carte c'est d'identité. C'est la rue, la vraie. Ah ouais, là c'est clairement la rue. Je suis à l'immigration, mais. Tu paries que tu dors comme ça, habillé comme ça. T'enlèves même pas le sac. Bien vu. Voilà, juste les chaussures et encore. Et c'est mon oreille. T'as de l'argent? Tu veux une voiture de luxe? Je fais des locations. Moi? Bah ouais, toi? Ça m'intéresse pas la rue, c'est la vraie. Bah ouais, mais la rue, la vraie, pour être un vrai dans une rue, il faut déjà avoir une belle caisse. T'inquiète pas, monsieur. Je... Ah, mais c'est toi qui fais les voitures de location là? Ouais, et je fais des tours d'hélicoptère maintenant. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille au Pizza 10. Mais non! Si, bien sûr. Je fais des lasagnes. Je fais... Et j'ai des lasagnes si tu veux dans mon sac à dos. Bah moi, j'ai des hot dogs et je fais des menus à 40$ si tu veux. Mais tu. Mais... Quoi? Oh ouais. Je crois, hein. Bah vas-y, hein, go, hein. Attends, tu paries combien? On parie, hein. J'ai pas de plata, Herb. Mais c'est pas grave, je te fais une facture, t'inquiète, j'ai la carte. J'ai 59$. Ok, c'est bon, ça me va, 59$. Et si je gagne? Bah ce que tu veux. Ok, vas-y, tu me payes le médecin. Ouais, bah, quoi? Vas-y. Ok, vas-y. Allez, hop. Laisse-moi tranquille, je suis pas énervé, en plus, je suis pas énervé du tout. Vas-y, vas-y, t'énerve pas. Une seule esquive. Genre, j'ai bien aimé son cri d'oiseau, quoi. Je l'avais dit en plus, je suis pas énervé. Mais oui, mais j'ai pas. Ah, attends, il y a la dame. C'est mérité, c'est mérité. Elle est tombée comme Mister Freeze. Quoi? Ah. Madame. Attends, non, mais Molena, attends deux minutes. Bah, même. C'est mérité. Dame. Même menu pour madame, hein, je crois, derrière. Victory, t'as pas le droit de faire des poussardiens comme ça. Bon, tiens, je te donne un donut, ok. Une canette moi de coca et un hot dog. Moi aussi. C'est bon? Toi aussi, tu veux? Moi aussi. Vas-y, c'est normalement, c'est 40$. Moi aussi. Non, c'est 40$. Merci. Ah oui, c'est 40$. Tiens, mais vu que je les ai tapés merci, et tout. Merci, monsieur, merci. Ouais, tranquille, y'a pas de soucis. Merci beaucoup. Hein? Il a sauvé notre Noël. Non, ouais, mais tranquille, la Santa Muerte, t'inquiète. Tu crois que j'y suis en vie? Bah ouais, malheureusement, t'es toujours en vie. Oh purée, il y a lui avec son gros front. Ayoudame, madame, je me lève. Le cul, il est lourd, hein, putain. c'est le sac à dos. Et vous, comment prendre le service? Pour nos sous. Eh, vous travaillez où, les Ukrainiens? Wizard News. Ah bah prenez mon numéro, c'est 6x0, j'appelle souvent en plus le Wizard pour faire des affiches et tout, c'est 00000. Eh, je loue des voitures de luxe et je fais des tours en hélicoptère si vous voulez. Vrai, les voitures de luxe? Ouais, ouais, pour comment de vrai, ouais. Comment tu te vois t'appeler? Je m'appelle Richie, t'as dit quoi, Olena? Combien tu loues Zentorno? Zentorno? Ça dépend, genre pour une heure? Oui, allô. Combien de temps? Ouais, niet, c'est des voitures. Non, c'est des voitures possédées. Bah, c'est vrai, c'est pour ça que je veux le vouloir. Bah, je sais pas, Bah, écoute, passe au conseil quand t'as le temps et je te dirai ça, d'accord? Parce que j'ai pas d'accord. J'ai pas d'accord. Ta catalogue sous les yeux là. Merci alors. Vas-y, je t'en prie. Les poussins d'yeux, c'est ça que t'avoir fait la comme ça au poussin. Non, en fait, c'est quand je m'énerve et tout, laisse tomber, je me transcende. Je fais des crises de rage. Ouais. Complètement fou dans ton tête, là, c'est vrai. Bah ouais, bah tout le monde est fou. C'est juste qu'on le sait pas. Nous, on est pas fou, là, c'est vrai. Bah non, vous êtes juste pieds nus dans la neige, tranquille, hein, on est ensemble. Hein. Ah, faut qu'on déménage. Eh, vous avez un. Est-ce que vous avez un quartier à nous conseiller? Un quartier tranquille. Bah, le quartier ukrainien, mais pour payer les primes. Dans le quartier ukrainien, y avoir tout ça. C'est vrai? Quartier ukrainien. Ok. Ah, vous avez un quartier des plus. Bah vas-y, on vous suit, vous pouvez nous montrer. On va au quartier ukrainien, on va louer un appartement là-bas. Ah ok. Ah bah ok, on va prendre un appart. Je me fais vraiment chier pour traîner. Allô? Avec vous. Ah bah c'est gentil, merci. Ah ouais, là la meuf toi. Bibi, c'est ça? Baby. Oui. Excusez-moi. Ah comment? Baby. Ouais, Bibi quoi. C'est ça. Oui, baby on disait. Tu connais pas les baby camans? Les baby camans? Oui. Si. Okay, moi j'ai envoyé votre dribble. De base, tu fais quoi en ville toi? Tu traînes avec qui? Je suis marabunta, je traîne avec les marins. C'est quoi ça? Les habitants qui habitent à El Burro. C'est cher ça. El Burro. Tu connais El Burro? Oui, El Burro? Ouais, non, je connais pas du tout. Mais je te conseille pas, c'est un petit peu, tu sais. C'est pas très mignon, moi. C'est un petit peu. Ah ouais? Campagnard, tu vois. C'est vrai, mais je kiffe la campagne. Mais c'est cher. C'est ici leur quartier? Oui, c'est très cher, trop cher. Alors, je te fais la visite du quartier. Alors, ici, d'avoir un parc, là-bas, il y a un parc. Il y a des toilettes, des trucs pour te laver. Ouais, c'est une fontaine, quoi. Niet. Derrière, la fontaine, attention. Ah, c'est ta douche là-bas, ok. C'est les trucs communs. Ok, ça marche. Ah, ça fait vraiment Ukraine ici. Voilà. Ici, d'avoir tous les appartements.
Ah mais je crois que je suis... Il y a encore des places de parking ou pas? Bah non, là-bas et tout. Que je sens que je vais me faire baiser encore. Ici t'as tous les appartements et juste derrière t'as les parkings. Oh jure. Regarde ici. Mais y'a quoi ici? Bah ici y'a vos appartements mais y'a pas beaucoup de fenêtres et y'a un gros parking. Un truc sécurisé ici, c'est sécurisé. Ouais c'est une arrière boutique, c'est éclaté ça. Ouais, comment ça, c'est éclaté au fond? C'est éclaté, ouais. Cool. Tu veux attendre le truc, je vais vivre dans une cage à poule ou quoi? Oh, le quartier il pue, hein. Là, comment ça? Ah, il pue, mais il est répugnant. Ah, il pue, le quartier il pue, je te jure. Bah, c'est pas gentil. Vous allez mieux que ça, monsieur Richie. Ouais, non. Je dirais à mon soeur. Mais non, mais c'est pas méchant. Oh, madame la Mara, on est d'accord. C'est très cosy ici. Ça pue, il n'y a pas de place pour parking, je te jure, je fais tout le temps. C'est le luxe vraiment ici. Hein. Ouais, ouais. Bah, vas-y, monte-nous chez toi alors, toi. Je préfère pas. Pourquoi? C'est pire. Si tu trouves que chez moi c'est un non, peu c'est pire. Ici c'est un petit peu crado. Moi je veux juste une place de parking, y'en a pas ici. Ouais, vous voyez là-bas le mur c'est écrit danger électrique? Et bah chez eux c'est danger nique ta mère, c'est écrit. Ah ouais? Ah vas-y, non. viens on va voir. Il y a pas écrit nique ta mère, il y a écrit. Puta madre. Puta madre. Chupa la polla de tu madre, il y a écrit. C'est quoi ça, chupa chupa? T'inquiète. Et le petit train, il fait tchoupa tchoupa, tchou tchoupa, ah, comme ça. Eh, les Ukrainiens, franchement, votre quartier, il pue un peu. Hein. Viens voir. T'as pas vu le meilleur parking? Regarde, c'est là-bas, tu l'as. Ici, t'as trop plein de garages. Tu dois courir un marathon pour aller chercher la voiture, c'est trop. T'as trop plein de garages avec un super appartement là. Mais on perd notre temps, c'est répugnant. Ouais, ouais, trop places de garage et je suis devenu curé, moi. Emma, c'est la morgue. Tu as ri. Oh là là, c'est la morgue. Ah, vas-y, c'est bon, c'est la morgue. Tu crois que je vais mettre ma voiture dans une morgue ou quoi? Mais oh, c'est un détail. Oui, ça. Bah, vous savez quoi, je vais faire un petit tour d'horizon et si jamais je trouve pas, bah, je viendrai ici. Puis c'est tout. Oui, il dit ça pour. Parce que. Non. Non, c'est vrai. Bah, non, si je reviens pas, je reviens pas. Et en fait, je me suis fait cambrioler hier. Oh, c'est un ancien quartier Brookers. Premier soir, boum, cambriolage. Pas de cambriolage ici, protégé par les Ukrainiens. Ah ouais? Ah, c'est pas mal ça. Ok. Bah, vas-y, on va aller voir chez madame la Mara Chupa Chupa, je sais pas quoi, et puis. Si jamais ça me plaît pas, je reviendrai ici. Non, là-bas, ça pue, là. Allô? Oui, vraiment, ça sent un petit peu mauvais, hein. Mais vas-y, Stéphane Plaza, fais-nous un peu visiter. Ok, si tu veux. Vas-y, les Ukrainiens, on revient. D'accord, bah, tout à l'heure, tu nous as appelé. Après nous. Bah, de toute façon, c'est vous qui avez mon numéro. Appelez-moi, comme ça, j'enregistre. Pringles, tu viens ou quoi? Allez, monte. Yo. Waouh, il a mieux rebondi qu'hier, je trouve. Vas-y. C'est parti voir la Santa Muerte, ça c'est sûr. Oh, mais non, c'est pas possible. J'ai de vrai. Hans, casse les couilles. Eh, hey, t'es si fragile que ça. Vas-y, c'est où? Je sais pas, je sais moi-même pas où j'habite, Armino. c'est terrible, hein. Mais genre, mais t'as pas un appartement, toi? Si, bien sûr, mais mon appartement, il est possédé, je crois. J'avais un hermano et quand il est décédé, j'ai pris sa maison. Et à chaque fois que je sors une bouteille de whisky, j'entends des choses bizarres dans la maison. Je te promets, c'est vrai. Nouveau business, chasseur de fantômes. Vraiment? Tu vas aller chasser les fantômes chez moi? Ouais, ouais. Vas-y, je suis seul, tu peux y aller. Vas-y, va en bas. Tourne. Ici, quand je suis pas là, tu n'y vas pas. Hein? Comment ça? C'est les endroits où il y a les racailles, tu vois. Il faut pas trop y aller ici. Ouais, c'est les endroits mal famés. Tu veux voir un truc rigolo? Ouais, bah ouais. Vas-y, avance. Ah, vas-y, garde-toi. Hop, viens. Dans cette maison, il y a un petit peu des fantômes. Wow, la caméra et tout. Faut pas trop s'approcher, tu vois, parce qu'il y a un chien. Attends, wow, j'entends un chien là. T'es méchant. Il y a un chien là-dedans. Mais là-dedans, il y a les fantômes. C'est là-bas qu'il y a les fantômes? Non, le chien, il va te manger. Et moi, je suis curieux, moi. Attends, mais des fantômes. Ah bon? Les fantômes là-dedans, ouais. Oui, je pense. Dedans. Non, n'entrez pas, vous allez me faire manger. Ça, Non, pousse, casse-toi. Venez, on y va, venez. Mais on est où là? C'est quoi ce bidonville? Parle pas du barrio comme ça, Armano. Ah, c'est votre barilo à vous. Barilo? C'est un barilo? C'est très beau votre barilo. Tu vas aller voir de l'autre côté? Madame Babi. On découvre. Madame Babi, vous savez ce que c'est à moi, mon barilo? Le commissariat. Là-bas, c'est mon gang. Ah, Bibi, tu connais pas d'autres quartiers ici qui sont bien? Si, en vrai, Bainwood, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Mais genre, ici, il y a plein de petites résidences ici, là. Non, regarde, vas-y, continue Spanish Avenue. Là, ça peut être pas trop mal, à droite. Oui, regarde. Quoi? Ici? Ouais, ici. Attends, je voyais pas, il y a un cougar, là. Tu te rapproches de la nature, c'est super. C'est ça, un cougar? Ouais, devant, là. Prends photo. Vincent Weasel, tu vends ça au Weasel. Si, fais attention qu'il te croque pas. C'est bon, là tu peux le prendre en photo, là, c'est bon. Là il bougera plus, là. C'est dangereux. C'est dangereux. J'adorais faire ça avec Pierre quand on chassait l'éléphant. Mais c'est grave dangereux. Ok, ici c'est bien en vérité. Hein. Bref, ici il y a plein de maisons et en plus je crois que tu as un hôtel, tu peux aller squatter la piscine des fois quand il fait chaud. Oh ouais, toi t'es vraiment une crevard, t'es comme moi, j'aime bien. Oui, celle-là. Attention lui, il roule comme un zinzin.
Comment tu sais? Tout Saint-Jean. Oh non, les problèmes. T'as vu, tu te oh, les problèmes. Vous avez qu'à regarder devant vous. Hans, viens, tu veux nous attirer des problèmes. Si, c'est mignon, je trouve, c'est cosy, tu vois. Ouais, maintenant, faut trouver juste un garage, quoi. En vrai, c'est stylé, en vrai, j'aime bien, ouais. C'est bien, non, ici, genre, tu t'assois et tout. Ah, j'avoue, ouais, quand il y aura plus de neige, ça sera cool. Attention, elle est plus Saint-Jean, enfin, une fois là. Hans, ramène ton cul. Mais moi, ouais, moi je suis son garde du corps, je suis obligé d'intervenir. Venez, venez tous les deux. Je suis pas obligé d'intervenir. Monsieur Richie, ils sont armés, faites gaffe. Ouais, j'ai vu qu'ils sont armés. Faites attention. Eh, on a deux otages. Deux otages? Deux otages pourquoi? Oh là là. Vas-y, il y avait un milliard d'autres otages, pourquoi nous? Eh, on se donne cops. Envoie ton téléphone. On s'appelle, hein, salut. Ouais. Eh, y'a ma caisse, hein, Bibi. Hop là, vous déposez. Prends ma caisse, s'il te plaît. Mais pourquoi c'était genre là le coffre? On est des bandits, hein, je vous préviens. C'est la racaille ici. Ok. Mais pourquoi vous mettez pas Richie dans le coffre? Ta gueule toi. C'est bien dit voilà. Ça. J'aime bien. C'est quoi le plan les gars là? Jouterie. Jure. Vous êtes chasse, vous avez une Rolex. Ah j'ai pas de Rolex moi. Mais je vous en passe une. Jure. Brokers. Vous êtes sage. Eh je fais des locations de voitures de luxe et des tours en hélicoptère si vous voulez. Mais on se fait rien. Non. Si si on je te jure. Il fait son business. Bah oui attends. Et je vends des menus aussi si vous voulez 40$. Quoi? Ouais, j'ai des menus hot dog, donuts et Coca-Cola. Ah, non, bon. J'ai des bandages aussi, je les vends 50$ au lieu de 80. Tu fais ça moins cher? Tu fais ça vraiment cher? Bah ouais, je fais moins cher. Les bandages 50 au lieu de 80, on est là pour casser le business. Que du nettoyage si vous voulez aussi. Ah oui, on fait le nettoyage aussi. Du nettoyage? Ouais, à domicile, on nettoie les caisses. On nettoie les maisons. On va les appeler. Ils vont faire on peut vous trouver une copine aussi si vous voulez. Oui, oui, on fait agence matrimoniale aussi. Mais non. Ouais, ouais. Nous aider à trouver des copains aussi. Les gars, écoute, par contre, c'est une vraie info. Hein. Genre, je fais des allers-retours vers Caillot. Vous passez une nuit là-bas. Aller-retour. Vous avez 1000 jetons pour jouer au blackjack. Vous ramenez ta petite copine, ta petite chica. Et genre, c'est 10 cas par personne. Et tu nous ramènes à Caillot? Mais bien sûr, en hélicoptère. J'ai un hélicoptère. Ah, mais t'as les passeports. Ouais, t'inquiète, je connais Monsieur Guzman. T'inquiète, okay. On est là. Ok, pas mal. Moi, j'ai pas confiance. De quoi? Les passeports. Pourquoi? Non, sérieux, sérieux. Bah, après, faut que je donne vos identités, etc. Et vous avez des visas, pas besoin de passeport, les gars. Vous avez votre passeport américain, tamponne le visa, c'est avec un caillou. Ah ouais. Oh Bossou, ouais. Il vous fallait quelqu'un, vous l'avez pris parce que c'est lui, limite, qui s'est donné. Oh lui, c'est donné. Qu'est-ce qu'il veut dire? On a pris Panda. On a Panda. Ouais, ta gueule, Hans, ta gueule, Hans. Mais les gars, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous braquez des bijouteries? Parce qu'on est pauvres. Parce qu'on veut de la plata, mon. Ça vous fait combien une bijouterie? Je sais pas, c'est 80, je crois. 80? Mais les gars, en une demi-heure, je me suis fait 80. C'est de l'argent halal, c'est pas mieux. Ça vous dirait pas qu'on passe du business ensemble plutôt que faire des bijouteries et faire des conneries? Mais c'est pas tu veux faire quoi? Qu'on loue des véhicules de luxe? Bah ouais, par exemple. Après ça c'est mon business, tu vois. Ça, mais après tu ah ouais. Nous on a pas de voiture de luxe. Bah justement, tu crois que j'en ai moi je suis pauvre. Moi je travaille au Concess. Laissez-moi sortir! Je suis un employé moi. Ouais mais nous tu connais, c'est la le 3/4 on a des casiers. Ouais mais bon, la cahier, la cahier. Vous c'est soit la rue, soit le cimetière, soit la prison. Vous avez pas d'autres possibilités. Ouais, c'est comme ça. Bah ouais mais bah non, c'est pas que c'est comme ça, c'est juste que vous voulez pas changer, c'est tout. Ah c'est vrai hein, on est bien dans la légalité hein. Eh mais attends, mais c'est vous hier quand j'ai loué les voitures de luxe là, oui, à Guzman. Vous étiez là? Complètement. Vraiment dans le truc. Est-ce que je peux prendre mon... Vous pouvez me donner mon téléphone, s'il vous plaît? Pour quoi faire? Non. Pour appeler la police? Bah non. Il est con, lui. Il est un peu con, lui. Ça va, ça va être très loin, cette histoire. Oui, d'accord. Là, let's go, les gars. C'est la caille. Vas-y, les otages. Venez. Attends, venez, je vais vous donner des petits trucs, là. Prends ça. Moi aussi, je mets un masque. J'espère que tu vas pouvoir le mettre, qui va être à ta taille. Non, c'est mort. Moi, dans ma religion, c'est interdit. De quoi? Interdit? Bah, force à toi. J'espère que tu vas résister au gaz. Quoi, c'est mort, mais t'as mal au coiffeur que j'ai? Ah ouais, t'es beau gosse, toi, en plus. Ça rentrera jamais. Attends, frère, quand je m'énerve, c'est... Bon. C'est super, c'est y'a d'avertir. Quoi, ce bordel? Eh ouais, ça c'est quand je suis énervé, hein. Mais là, je suis tranquille, là, je suis pas énervé. Masque, trop gang. Mais pourquoi vous mettez un masque à gaz? C'est parce qu'on va balancer une putain de lacrymo dedans. Oh non. Oh mon dieu. Et oh, ouais. Hans, l'allemand, tu connais bien ça le gaz, toi? Ah, bah, foiré. Ah, celle-là, elle est sale. Arrêtez! Non, les de vos potes, de vos allez, go. Tu veux Hans, ça date, les polos comme ça, ouais. Oh, monsieur Lanaki, comment ça va? Ça va ou quoi? Ça va et tout? Oh, ça va ou quoi, la forme? Tu vas voir, faites quoi ici? Vous êtes atterri comment ici? Bon, on est comme vous. Frérot, on cherche un appartement, finalement, on s'est retrouvé dans une voiture. De poussin jeune que vous êtes. Oh, pardon. Oh, je m'écarte, hein. Pardon, non, mais vous êtes mon garde du corps. Mais ça mérite d'être puni, ça. Non, je suis désolé. Non, par contre, tiquez pas les otages, sinon vous êtes baisés, hein. Eh oui. Ah, j'ai vu le documentaire, ils rigolent pas, les flics, hein. J'avoue, hein. En fait, s'ils font les fous avec nous, en vrai, c'est eux qui vont être baisés. Eh, mais en fait, c'est vous les otages, en fait, quand on réfléchit bien. Ouais, c'est vrai. Alors, votre grande gueule, hein. Écoutez-moi. Là, actuellement, on a 4 otages.
Si jamais il y en a un qui disparaît dans la petite pièce à côté, qu'on lui met des chassés à droite à gauche, personne ne saura rien. Ah, bah moi je vais pas prendre ce donc Hans, si jamais ça t'intéresse, continue. Ouah, t'as mal, il a sorti le nerf. Fais voir ton pistolet. Il parle bien de mon Uzi, t'es un malade. T'es un fou, toi. C'est quoi comme arme? C'est un Uzi. C'est un pétoir. C'est un pétoir MK2, ça. C'est un Uzi. J'ai peur. T'es sûr, ça tue ça? T'es trop game. Ah, viens, on essaye. Non, 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 ça non, 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 c'est moi, je te crois, je te crois. Baisse tes doigts, baisse tes doigts. Mais je baisse les mains, je baisse les mains. Tu fais quoi? Mais baisse, baisse tes doigts. C'est moi, pardon. Oh, arrêtez, mais arrêtez, baisse tes doigts. Arrêtez, quand même. Ah, ça se voit, lui, quand il était pied, il avait pas de voisin. C'est sûr, hein. Bah ouais, c'est sûr et certain. Il habite dans la campagne. Mais c'est Rafo. Mais t'es dans une ville, là. La chez LM, bien truc là. Oh là là. Mais sûr, c'est ta femme, sûr, c'est ta tante là-bas. Et il a la femme là? Ouais, c'est ta tante. Non, 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 ma tante n'est pas une. C'est pas une paysanne. Elle s'appelle, elle doit s'appeler genre Éléonore. Éléonore Werner. Khadija Werner. Ah, oui, plutôt. Putain, vous inquiétez pas. Oh, les filles qui sont déjà là. À l'aide! Mais il est où le gaz? Y'a pas de gaz du coup? Ouais, ouais, elle est. Je sais pas. Les trois zigotos là, rendez-vous. La caissière, tu bouges pas. Vous allez faire coucou au Boyos là, de loin. Passez doucement, vas-y, avance, Hans, tranquillo. Il a ce voyage. Je l'ai fait sortir ou... Allez, je loue des voitures de luxe et je fais des tours d'hélicoptère aussi, si jamais vous êtes intéressé. Par qui là? À vous, monsieur les policiers. Je m'appuie pas. Mais arrêtez de me dire. Vous allez bien là, tout le monde, c'est bon? Non, ça va mal, franchement, ça va. Calmez-vous, ils vont pas vous faire de mal. Ils parlent de mon nez, ça m'énerve. Vous allez bien, c'est tout ce qui m'importe, moi. Ouais, on va bien, on va bien. J'ai faim. Mais je sais pas, apparemment, ça parle de gaz lacrymo et tout, je sais pas qu'ils vont faire. Comme par hasard, il y a un moment. Ouais, vous inquiétez pas, on va gérer. Venez, vous pourrez donner ça à monsieur qui a faim. Non, mais c'est bon, j'ai un menu, je vends 40 dollars. De toute façon, c'est vraiment un rage. Ouais, j'ai des mandats, j'ai tout. Allez, on va vous laisser avec les ravisseurs. Aidez-nous. Allez, on vient se rentrer. Aidez-nous. Allez. Putain, les flics, ils s'en battent les couilles. 50 dollars le bandage. Ouais, s'il te plaît. T'en veux un? Vas-y. Eh, je prends même la carte bancaire. Eh lui c'est un rat, il se fait braquer, il est là, il fait ses affaires. Ah non mais laisse-moi. Boum. Merci beaucoup. Ah bon. Et qui veut des bandages? J'ai des bandages? Ouais, non, c'est cher. Ça va. Ok. J'ai des bons fourrières, bon les HD, bons supérettes aussi si vous voulez. J'ai des cigarettes, quelqu'un veut des cigarettes? Bon je pense que... Bah je sais pas, je propose hein. Oui c'est un braquage mais c'est aussi un... C'est tous les moments sont bons. On est là, dès qu'il y a un billet on est là. C'est bon, baisse tes bras toi victime. Mais... Ils s'en battent les couilles de nous, ils veulent juste les bijoux. Ah bon? Ah oui. Ouais ça dépend en vrai si ça joue pas. Après vous nous relâchez. Ah bah c'est bon, vous êtes des bons paysans alors, c'est bon. Des bons paysans? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru qu'on était au Moyen-Âge ou quoi? Quoi? Pourquoi vous parlez comme ça? Arrêtez avec votre regard! T'es un seigneur toi ou quoi là? Bah oui, j'ai une personne de là, contrairement à vous, les paysans de ville. C'est quoi ton nom de famille? T'as un petit nom en particule? Oui, bien sûr, c'est Werner. Vous allez voir! Il est inconnu au bataillon. Quand mon cartel va s'ouvrir, on va tous vous gommer, les Pookie Blender. Vous allez voir. Raison, mon gars, t'as raison. Qu'on le dégomme son téléphone en vrai. Ouais, j'ai la femme à l'aise. C'est le gars. Je prends ma respiration. C'est qui Cinco? Quoi? Ah oui bah oui. Je sais pas, libérer Cinco, c'est qui Cinco? Ouais c'est un gars de chez nous qui était à Bolingbrook. C'est pour ça que vous braquez? Exactement ouais, c'est pour lui, c'est pour la cause de Cinco. Ah je crois pas que vous allez être pris au sérieux là pour du coup. Sur vous? Quand vous avez fait la guerre générale? Je pense qu'on leur tire dessus. Fallait mieux payer une pub au Weezy News, ça coûterait 3 000 $, au moins vous serez pris au sérieux à mon avis. Et ensuite vous faites un clip avec des voitures de luxe, d'ailleurs j'en loue, ça tombe bien. Ah, des voitures de luxe. Ah ouais, combien? Bah ça dépend, combien de temps, combien d'heures, le modèle, etc. Genre une Trax, je sais pas, moi c'est genre 4 000, 5 000 $, avec peut-être la petite assurance, assurance touriste avec ta petite clé, etc. Ouais, je vois. Non mais c'est intéressant, c'est moi, ça va. Ah on est là, t'as faim? Tu veux un menu? Non, c'est gentil, ça va. Bandage. Oh bon, putain, mais c'est... En fait, c'est l'hôtesse qui prend soin de moi. Tu me dis, tu veux une cigarette? Je t'envoie un sac. Une cigarette? Non, je fume pas, non, là. Là, tu vois, je vais rester concentré et tout pour pas me faire choper. T'as raison. Si on se fait choper, tu viendras nous voir à Bonnebloc ou pas? C'est quoi ça? C'est la prison, là. À prison? Ouais, pourquoi pas. Ouais, je vous ramènerai des menus, pas cher. Ah, ça, et des bandages. Vas-y, des bandages, tu veux. Je suis chaud. Mon numéro, c'est 6x0. C'est quoi? 6x0. 6x0? Ouais, 0-0-0-0-0-0, c'est mon numéro. Quoi, tu rentres pas parce que tu prends l'air, c'est ça? Ah, j'ai pas de masque, frérot, je me vais dans la merde. Ouais, t'as raison, après, vas-y, tu vas canner, tu vas mourir dedans, on va se manger un meurtre. Bah ouais, c'est ça, parce que vous allez vous manger un assaut surtout, ouais. Ah, j'avais. Mais non, mais t'es quoi là? Pétoir? Tu vas faire quoi avec un pétoir contre une M4? Ça, c'est des petits détails. Ah, bah oui. J'avoue, c'est dans la tête, hein, c'est dans la tête. Ah, oui, non, mais c'est dans la tête. Tu vois, si tu leur fais croire que t'as une grosse arme, ils vont avoir peur. Mais frère, tu perds une personne avec ça? Comment tu peux faire croire que t'as une M4 alors que t'as un pétoir? Bon, on pose pas de questions. C'est bien d'avoir une M4, mais si tu sais pas l'utiliser. T'inquiète pas, les flics sont entraînés, je te jure, ils savent l'utiliser. Ouais, c'est pour ceci. En vrai, ils ont l'air énervés un peu. Bah ouais. Si tu veux, pour alimenter ton zoop, on peut faire un selfie, tu fais en direct de la bijouterie. Ah non, frérot, t'es fou quoi?
Moi je m'associe pas avec vous. Hein, moi je suis pas un gangster. Hein. T'es pas un voyou toi? Tu clairement pas un voyou, t'es fou quoi. Je suis sûr d'avoir des trucs de voyou sur toi. Même pas, je te jure, j'ai rien. Bah ouais, putain. Ouais, t'as un sac à dos. Ouais, t'as un défibrillateur dans ton sac à dos. Ouais. Oh la classe, c'est quoi tes genre premier secours, tout ça, tout ça? Eh écoute, dès qu'il y a un business à se faire, je suis là. Ouais, vas-y, du coup, on te fait chialer, mon gars. Vas-y, c'est cool, bah, vas-y, force. Vas-y, force. Et là, boum, il avait une bombe. Boum. Allez, premier viens, otage. Alors, monsieur, le Weasel veut bien, sauf... Donc, je disais que je loue des voitures de luxe. Et des tours en hélicoptère. Pas la vidange. La vidange? Tu sais, il y a moyen, hein. C'est quel modèle? Vous allez faire ça, vous? Bien sûr, je sais faire ça. Non, mais là, j'ai mes voitures. Hop, je me couche, tac. Je nettoie tout, tac, boum, ouais. Je nettoie tout, je vois une culasse, tout ça, on est là. Ouais. Bien sûr. Bon, on pourra en discuter. Ouais, ça marche. Bah, mon numéro, c'est 6x0. Moi, je suis là-bas à tout faire. Ah ouais, à tout faire. Ah, à tout faire, tout ce qui rapporte. Ouais, tout. Tout ce qui m'évite d'aller en prison. T'as tendu des pelouses? Ouais, je tonde des pelouses, je lave des voitures. Nettoie les piscines? Ouais, je nettoie les piscines, je débouche les éviers. Ok. Je débouche les chiottes, je fais tout. Ça tombe bien. Sérieux? Ouais. J'ai plus de femme, donc la maison, c'est un bordel. Ouais, bah nickel. Et Marty, il veut plus tendre ma pelouse. C'est qui, Marty? Il gagne beaucoup d'argent. C'est un collègue, mais depuis qu'il est sergent chef, il a pris la grosse tête, il veut plus tendre ma pelouse. Bah moi, je suis votre homme. En non, plus, j'ai la machine et tout. C'est vrai? Vous avez la plus tendeuse? Ouais, j'ai la tendeuse et tout. Bon bah écoutez, je vous appelle après ça, d'accord? Bah nickel, ok, on fait comme ça. Mais on va aller chez moi, vous allez me faire un devis. Vas-y, ça marche, ok. Ça va ou quoi, Léna? Bon, j'ai cru l'article d'avoir été pris en otage. Ouais, ouais, c'est des vagos, ils ont des pétoirs. Ils ont rien fait de mal. Ah, des pétoirs, on parle de Jésus-Christ. Ils ont mis des masques à gaz, ils m'ont donné un, mais moi avec ma grosse touffe je pouvais pas le mettre. Ils ont mis du gaz lacrymo, la vendeuse elle est tombée, boum, elle a fait un AVC. Vous disiez quoi? Un AVC, c'est vrai? Je sais pas, elle s'est évanouie la pauvre avec le gaz lacrymo, je crois, elle est asthmatique. Bien. Salut, oui. 42, ça va ou quoi? Comment tu vas 42? T'as dit quoi? Bah écoutez ça... Enfin, moi aussi j'étais en otage, mais tranquille quoi, chill. Ah, vous étiez pris en otage? Ouais, mais tranquille. Bah, vous les avez fait payer, je suis sûr, vous connaissez. Ouais. Bah ouais, j'ai vendu un bandage, j'ai vendu un menu et des clopes. Vous êtes vraiment un vieux rat. Moi, c'est derrière la barrière, Léna. Hein. Oh, t'arrêtes de toujours me mettre des barrières. Les barrières sont faites pour être traversées. Oui, mais c'est pour pas que tu te fasses écraser que je mets ça, moi. T'as quel âge, Léna? Savoir 16 ans. 16 ans? Là, c'est vrai. T'es sale, hein? Tu veux pas que je te lave un petit peu, là, vite fait? Mais niais, je suis propre. C'est bon, c'est 30$, tranquille. Quoi? Un niais, je paye pas. Comment ça tu payes pas? Ouais, c'est 30$. 42 marnaque, 42 marnaque. Mais c'est 30$. T'as vu marnaque? Eh, enfoiré! Non, pardon. Quoi? Quoi, c'est 30$, wesh? 30$, c'est rien, tu l'es venu 30$. C'est bon, c'est bon, je l'ai fait payer. Ça va travailler. Oh, c'est Rafim, ça va quoi? Bah alors, Richie, tu t'es fait prendre l'otage? Vas-y, tiens, je te donne ta voiture. Merci. T'inquiète, c'est 50$. Voir mon travail. T'arrêtes de voler mon travail, Richie. Mais non, t'inquiète. C'est moi qui fais ça au feu rouge. T'as un moteur. Tout est bien là. C'est nickel. Mais non. Bon, au pire, je te le range. Ah, facture carrément. Et là, j'ai vu le chauffeur des. D'accord. Ok. Eh, tu crois qu'on joue ou quoi? Merci. Bah, Diada, j'ai bien compris. Merci, monsieur. Attends, je vais nettoyer la voiture. Bougez pas, c'est sale. 50$, vous inquiétez pas. C'est pas cher. Combien de dollars? Envoyez les factures. 15 000$ à la clé. Oh, hop. Sûr, je veux gagner 15 000$. Oh, pas mal. Ouais, quoi, 4 000, c'est quoi le délire? C'est quoi 4 000? Mais vous savez, j'ai inventé un concept, The Voice. Ah, The Voice, ouais. Vous êtes en demi-finale et. Ah, encore 30$, Léna, je t'ai pas poussé. Toi, tu vas me rendre mes souhaits. Eh, reviens, c'est de la triche. Quoi? Quoi? 200? T'as craqué ou quoi? Toi, tu sais pas à qui tu vas là? Tu vas voir si tu parles. Tu me voles mon sou, je vais le dire à mon père. Dehors, donne-moi, espèce de voleuse. Donne-moi l'argent. Attends, elle a volé 200$ au pire rat de la ville. Quoi? Mais t'as craqué ou quoi? On vole pas des sous, les nains. Prenez ça. Oh, merci, c'est gentil. J'ai des jetons dans mes poches depuis des mois là. Hop. Oh, Dad, donne tout. Mettez tout sur le rouge, vous aurez 400$, ok? Non, rends-moi mon argent! Je suis pauvre! Oui, mon cul, ouais, t'es pauvre! Tu roules en Porsche, elle dit, elle est pauvre! Bon, vas-y, pas à moi! Je suis Chandra! Hein. Manger, ouais! Je suis Chandra, essayez! Merci pour le donut, une coca, tu gères! Après, t'inquiète, on est là! Tu crois bien? Excusez-moi, y'a personne qui a quelque chose à manger par hasard? Si, j'ai un menu, j'ai des menus, venez! Non. Mais c'est 40$, c'est moins cher! Richie, tu me connais personnellement, tu peux me les offrir gratuitement pour cette fois! Merci pour 40$! T'es qui? 25! Ouais, vas-y, viens. Plaque de matriculation. Attends, bon. Non, ouais, non, il est gentil, mais au bout de deux, c'est mort. Hein. Tu payes. Tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Cher ami. Peu importe. Allez, 40$ déjà, après on va discuter. Ouais, t'es comme ça, monsieur. Okay. Il coûte combien de menus, monsieur? C'est 40. Ok, je vous en prends un. Y'a pas de soucis. Hop là. Eh, à la base, j'étais otage, hein. Je suis en train de faire du business. C'est bon, t'es sorti? Petit con, va? Ouais. C'est bon alors, tout va bien? Monsieur Richie, vous me suivez? Ouais, j'ai ma voiture, j'arrive. Ouais, bah suivez-moi. Babi, tu veux te faire un billet ou quoi, Babi?
Vas-y, vas-y, toujours la plata avant tout. Là, le plan, c'est qu'on va passer la tondeuse à gazon chez. J'ai le flic là devant. On va laver la piscine. Et je crois qu'il va me faire un. Et... Ah oui, toutes ses caisses. Il a, je crois, 10 caisses. Il lave sa piscine en hiver, celui-ci. Ouais, mais je pense qu'on va juste lui vider la piscine et la remplir. Hein. Et le Monopoly, il est où? Le Monopoly? Ben oui, le mec Monopoly, là, monsieur Monopoly. Ah, il est dedans, il est dedans. Dans la piscine? Non, attends. Dans la tondeuse. À la voiture devant. Il habite ici, lui. T'es malaké, Il habite ici. Ouais, faut croire. Oh là là, ça se met bien la police, hein. Vraiment, je pense que je vais envisager la reconversion professionnelle. Wow, comment ça se met bien? Ouais. Il y en a, il mange Gucci, hein. Monsieur Richie, je sors d'un traumatisme et on travaille direct, vous, on enchaîne. Bah les couilles. Ils sont plus propres que je pensais. Non, ça c'est la lumière qui fait ça. Oh non, l'Evran là, au fond là, il est pas propre. Ouais, mais je le pensais plus sale. Celui-là aussi, il est pas propre. Ah, moi je suis perfectionniste, hein. Ça c'est pas propre, ça. Ça c'est pas propre, il y a des rayures. Mais le monsieur qui habite ici, il travaille, il mange Gucci, hein. Eh hey, monsieur, bah, vous faites quoi comme travail à la police? Bah je suis commandant. Quoi? Ah ouais. Ah, c'est vous le commandant? Bon, du coup, il y a tout ça, mais ça c'est que la partie un peu off-road, du coup. C'est bizarre quand même, attendez, je vais sortir. Ouais, c'est bizarre, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut nettoyer, les véhicules? Bah, tous les véhicules, il y a la piscine, et il faudra passer la tondeuse. Elle travaille avec nous, la marabouti? Bah, je lui dis un billet, elle m'a dit, ouais, vas-y. Je travaille pas pour les codes, je vous regarde. Elle va... Ah, tu prends pas ton billet. Vas-y, tranquille, ça me va. Je travaille pas pour les flics, ça va pas. Tu travailles pas pour les flics, je travaille pour toi, réfléchis un peu. Bicile. Oui, bien vu. Prenez des photos, la marabouti, pour la piscine, s'il vous plaît. Je vais poser les. Ah oui, vas-y, je te fais les photos, moi, si tu veux. Deuxième. Ah ouais, là, je dis oui. Bon, elles sont plus propres, non. Non, elles sont dégueulasses, elles sont dégueulasses. Ouais. Oh, faut faire beaucoup de travail, là. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi la poussière, regardez. J'ai passé une demi-seconde, regardez l'éponge, elle est horrible, elle est toute noire. Ouais. Elle est magnifique celle-ci, vraiment. Oui, mais elles sont toutes sales, oh là là. Celle-là, elle est vraiment... Il y a tout ça à nettoyer là. Ouais. Non, l'avomatique, ça va baiser la peinture, l'avomatique. Faites comme vous voulez. Ah, on fait ça à l'éponge, on fait ça au chiffon, hein. Ah oui. Ok. Par contre, ça demande un peu de temps et... Ah, en plus j'ai mal au dos. Ah oui, il y a une prime, hein. Ouais. Bon. Il y a ça donc, il y a les voitures, il y a la piscine, c'est ça? La tête me connaît. Et la maison. Et la tondeuse. Ah, du coup, on fait la maison aussi? La maison. Oh. La maison, venez voir. Je vous montre la maison. Ah, ouais, la maison, il y a l'aquarium à nettoyer. Hein. Oh, bon, on foutra Hans dedans. Mais arrêtez, hein, mais pourquoi tout le temps moi? C'est un combattant. C'est un combattant, ouais, ça, les chiens. Après, les poissons, ça va, c'est des petits poissons rouges. C'est des Nemo, tout ça. C'est pas des piranhas. Mais non, on voit pas trop, madame, avec votre masque là. Ah, on débarrassera les vieilles bouteilles là, faut sortir les poubelles après. Ça bien, ouais. Ouh, ça glisse. Ouh, ça glisse. Faudra déblayer ici. Ouais. Faudra déblayer la neige ici. Le portail de garage là, ouh là là là. Le portail il est dégueulasse. Hein. Non, le portail il grince, faut mettre de l'huile d'olive, dites vite dire. Les buissons faut les tailler parce que là ça va pas du tout. Ouais. On va leur faire un dégradé. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Là ça va pas du tout là, l'aquarium, vous voyez, il y a plein de saleté. Attends, mais les poissons, ils sont en 2D les pauvres, regardez, ils sont écrasés contre le mur. C'est moche. Ils bougent au ralenti les poissons. Oh là là. Vous voulez quoi? Vous voulez leur foutre dans la bouche pour qu'ils gonflent? Ils ont le Covid. C'est magnifique. La cuisine, ouais, faudra un petit coup de balai, ouais, ça c'est normal. Mon père. Oh là là, l'écran, comment il est dégueulasse. Oh la poussière. Oh là là. Ah bah oui. Ah là oui. Le parquet, bon, on pourra rien y faire, faut le cirer, mais moi je suis pas un spécialiste. Ouais, non. Faire chez vous, là. Bon, là, c'est une salle de bain. Salle de bain, ok, c'est bon. Il y a la chambre à gauche. Voilà, ça sent l'humidité dans la salle de bain. La chambre, on n'y va jamais, elle doit être propre. Hein. Ouais, faut aérer. Hein. Ouf. Ouais. Ah, faut aérer. Hein. Faut aérer, au pire. Ah, oui, le lit. Ah, ouais, le lit, c'est bon. Oh, okay. Vous avez le disque d'or de 50 Cent. Quoi? Disque d'or de 50 Cent. Ah, mais c'est magnifique. Ah, oui, Ah, il est même dédicacé et tout, c'est génial. Ah, ouais, c'est incroyable, un disque d'or, c'est un ami à moi. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Bon, faudra faire un peu de ménage. C'est celui qui s'est pris 9 balles, c'est ça? Ouais, le petit tanga rouge et tout, ça se fait bien. Moi, j'ai survécu à 17 sauvages. Ah. Regardez, j'aurais le four. Vous étiez là, le speedy pump. Oh, la graisse au fond du four. Oh mon dieu. Ah ouais. Ah, faudra faire un beaucoup de lavage. Bon, là, il y a encore une chambre. Pareil, on va y aller. Combo aération serpillière chiffon. Ah, là, oui. Ah, là, c'est obligatoire. Là, c'est les petites notes sur les enquêtes judiciaires, c'est ça? Non, non, c'est pour les... C'est les nudes écrites. Ah, si, il y a un truc qui est important. Oui. Mais attends, j'ai une idée. C'est trop bien. Ah, par contre, il faut le vider, hein, parce qu'il y a des petits résidus là, bizarres, là, blancs qui flottent. Ouais, on va le vider. Ouais, bon, Il y a des taches, là, sur le miroir. On va le vider. Le miroir aussi, là, il est un peu sombre. Ah, le miroir, ouais. L'ordinateur, on touche pas, hein. Non, on n'est pas informaticien. Il y a un mot de passe ultra sécurisé, vous inquiétez pas. Ouais, c'est Flaco 2021, on connaît. Ouais, après, il y a toutes les pièces, hein. Et non, j'ai fait un mignon, vous connaissez les mignons? Ouais, je connais. Bon, on va passer au devis, hein. Ouais.
Alors, Bounty, venez. Alors, attendez, il y a aussi la tondeuse. Ouais. Tondeuse, piscine extérieure, jacuzzi à l'intérieur. Il n'y a pas complet. Là, en plus, on est trois. Bon, je te cache pas, je prends 80% des bénéfices. Je sais pas, t'as un budget de combien? Qu'est-ce qui t'arrangerait? Dites-moi un prix, on négocie. Je sais pas, 5K. Maison, elle est grande, hein. On va dire 1000 pour la maison. Ah, mais la maison, il y a jacuzzi dedans, il y a 20 les pièces. Par garage, 4000. Quoi? En plus, il y a 20 véhicules. Oh non. Non, il n'y en a pas 20. Il y en a combien? 10? Bah non, il y en a même pas 10. Il y en a 6. 4005. On est 3. Vous acceptez les paiements en jetons ou pas? En jetons? Ouais, je prends tout. Ouais, bah vas-y, 4005, mais avec 1000 en jetons. 1000 en jetons? Ouais, vas-y, je prends. Ah non, attendez. Faites ça bien. Ah oui! Attendez, vous êtes commandant, on va se foutre de votre gueule. C'est Doom. Ah d'ailleurs, il y avait 42, appelez 42. Oui, il va vous dire. Mais bah, je l'appelais déjà, il m'a dit que c'était bien fait. Ah bah nickel. Attends, je te l'envoie. Bon allez les enfants, là, on s'active, ok? Ouais, moi je fais la tondeuse à l'extérieur et les véhicules, et vous faites un étage chacun, c'est bon? Ok. Allez, c'est parti. Mets-toi sur la radio 90-44. Monsieur le commandant, je reviens dans 5 minutes, c'est bon ou pas? Ouais, pas de soucis. Le temps que vous sortez la tondeuse. Mais monsieur le commandant, est-ce que... Ouais, les beaux gosses. C'est toi qui m'as appelé, John? Ouais, c'est moi. Ouais, passe-moi ta carte d'identité et permis, s'il te plaît. Ok. Tu l'avais quelle couleur? Orange. Orange, vas-y, ça marche. Tu veux une petite clé avec? Ouais, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Écoute, y a pas de soucis, mais pas de conneries avec, pas de braquage ou je sais pas quoi. Hein. Non, il va juste faire. Il y va pour un date. Pour la date. Ah, ok, pour la date. Vas-y, je te fais la facture. Tu payes en cash ou. Crédit. Comment ça, crédit? Mais par carte? Ouais, par carte. Vas-y. Tu sais, on peut payer en nature. Ah, c'est mort, t'es fou quoi. Ah, c'est. Ça arrange, man. Ah non, je suis pas intéressé, je suis désolé. Mais peut-être pourquoi pas un jour, hein. C'est bon. C'est sûr, hein, vas-y. Si ça va t'intéresser. Trop belle. Vas-y, tiens. Ah, tu me la ramènes à minuit 20, ok? Minuit 20. Vas-y, tu la fous dans l'atelier, ok? Et tu laisses la clé dans le coffre de la caisse, ok? Ok, t'inquiète. Vas-y, je t'ai mis full perf. Ok, merci beaucoup. Vas-y, beau gosse. Allez, les enfants, s'active. Oui, je prends. Ouais, moi, je passe la tondeuse sur de la neige, c'est incroyable. Pourquoi elle est plus efficace que Abby, hein? Ouais, de fou. Ah bah, Abby, je sais pas, elle doit dormir, hein, en plus, hein, cette feignante, là. Je vais faire des lasagnes, ils vont se régaler. Attends, tu te fais un business sur mon business? T'es sérieuse? Oui, bien sûr. T'es malade ou quoi? T'es viré. Mais non, c'est le partenariat, tu connais. Eh, je vous passe un billet de 1000, c'est bon? Attends, non, mais c'est pas oui, vous êtes bête ou quoi? Combien? Attends. 4500. Pour toute la maison là? Ouais, tout, 4500, je te jure. C'est quoi ce bordel? Ouais, je tombe sur de la neige, c'est un nouveau concept. Ah ouais, Non, en fait, j'enlève la neige, ça déblaye la neige. Ok. Oui, j'ai fait la lasagne. Ah, tu te sers dans le frigo en fait? Oui. Ah bah bravo, bah super. Mais t'es à l'aise, hein? Oh, t'as quel âge, Bibi? 25 et tu voles des lasagnes dans le dent, ok. Oh, ah ouais, faut que je lave tous les véhicules, oh là là, le délire. Faut que je les sors un par un. Mais je suis en train de les faire là, je suis au deuxième véhicule. Ah sérieux? Oui, je fais les voitures de sport. Ah les voitures de sport, ok. C'est pas off-road, hein. Je fais le garage de gauche, faites celui de droite. Bah attends, moi je passe la tondeuse là. Et il joue à Mario Kart lui ou quoi là? Mais non, mais j'enlève la neige, je déblaye. Oh Bibi, regarde le créneau. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu peux pas faire un villing? Attends, t'as dit quoi? Tu peux pas faire un villing? C'est quoi, c'est un V-Link? Ah un non, mais bah non. Attends, je vais voir. Vas-y, essaye. Non, c'est mort, je peux rien faire. Il n'y a pas assez de puissance. Merde. Hein. C'est un moteur de Twingo. Hein. Là, tu vois ma voiture, je te vois venir. Non, tranquille, j'ai rien fait. Ouais, toi, t'es une voleuse. Et je suis pas une voleuse. Ah, tu veux des bandages? Tu en as? Ouais, j'en ai. 50$ au lieu de 80. C'est vraiment gros. Mais c'est bah, tu nettoies ma voiture? Ben oui. Oh, t'es trop gentil. Mais c'est pas compris dans le pack, hein? Tranquille, on s'en fiche. Tu veux combien de bandages? J'ai 59$ chez moi, j'étais dit. Tranquille, t'as juste, dis-moi, t'en veux combien? Deux. Ok. J'ai pas une forceuse. Gracias. Bah, des nada, hein. 50$ le bandage, hein. Ah, oh, tu gères. Et merci pour le nettoyage de la voiture. je t'appellerai pour en avoir d'autres. Ouais, y'a pas de soucis. C'est 80 normalement. Oui, non, tranquille, merci, c'est gentil. Ouais, tranquille, hein. T'as vu, hein, je dépanne de fou, hein. Super, je suis pas un mec gentil, moi. T'es vraiment bon, hein. Bon gros fils. Ah non, si t'en sors. Oh mon dieu, mais c'est fatigant. C'est fatigant, ah c'est bon, 1000$ frérot, c'est bien. Et en plus, maintenant, on est bien avec le commandant. On a le capitaine, le commandant, il manque qui? L'état-major? Ben Barak, on a pas encore fait, lui. Non, Ben Barak, c'est un gros crevard. Appelle-le et tu essayes de l'amadouer. Vous voulez que je l'appelle, moi? Ouais, vas-y. Ah oui, c'est monsieur Babi. Faites-lui une voix comme si vous le draguez et qu'on va nettoyer chez lui. Hermano, j'ai 42 fièvres, j'ai des grumeaux jusqu'en bas de la gorge, tu crois vraiment que je la vois ici? Des grumeaux? Elle grume. Elle a de la farine dans la bouche. Eh ben, c'est pas, prenez le grand, c'est pas moi. Attends, mais pourquoi tu travailles, c'était malade? Non, tranquille, la plata avant tout. Ouais, la plata, mais bon, la plata avant la muerte, hein, j'ai l'impression. Donne-moi le numéro de l'autre là et je l'appelle si tu veux. C'est bon, je l'ai, je te donne. Oui, bonsoir, monsieur Ben Barak. Baby à l'appareil, je travaille pour la société de dépannage et de services à la maison. Et je me demandais si vous auriez besoin de notre offre.
On a plusieurs packages qui prennent en compte tout l'entretien de la maison, des jardins, l'extérieur, les voitures. T'es chez le commandant là en plus, hein, t'es chez le commandant. Ok, c'est terminé le garage. Vous êtes sûr? On est vraiment une adresse de confiance. On travaille actuellement avec le commandant du LSPD, vous savez. Dis-tu, Richie. Et tant pis, vous êtes un gros rat, allez vous faire voir. Non, mais c'est mort, mais il voudra jamais. Ah, mais c'est trop bien, attends, moi je vais le faire ça. Mais non, c'est mort, c'est à moi, wesh. Non, c'est moi, c'est moi. Alors, vas-y, bouge de là. Mario ! Ah, mais ah, mais. Arrête. Je vous jure, vous m'avez poussé. Ça va, ah, ça va, 10 km/h. Sérieux ? Mais même 10 km/h, je suis une victime. Oui. Attends. Ah, si, moi, de mon sur le côté. N'importe quoi, attends. Non, l'autre côté. Attends. Accroche-toi bien. Vas-y. Ouais, comme ça, là t'es bien. Vas-y. Ah, franchement, laisse tout tomber, t'abuses, hein. Ouais, non, mais sérieux. Passage ! Attends, j'ai l'équilibre, Monopoly, viens voir. Ouais, j'arrive. Attention, j'arrive. Vous faites quoi, là ? Mais c'est l'équilibre. Ah, ouais, j'ai fait... Attends, j'ai pris... Oh, Hans ! Oh, merde ! Oh, ça va, pas oh. Grave, je te vends des bandages $50 si tu veux. Non, je viens de lui vendre. Ouais. Non, lui prends pas. Je te les vends $40 si tu veux. C'est une blesse de business, je pensais. Là. Ouais, elle va dire qu'il est en business, c'est mort. Attends, on doit faire la piscine. Monopoly, va chercher les ballons dans l'eau. Mais je m'appelle Hans. Vas-y, va chercher les ballons. T'as cru que c'était un chien ou quoi? Va chercher. Non, mais j'ai pas envie d'aller dans l'eau. Bon, d'accord, j'y vais. Non, n'y va pas. T'inquiète, t'as rien à aller. Je sais pas nager. Mais attends, ça fait 1m10 de profondeur, c'est bon. Attendez. Non, pousse pas. Voilà. Arrête. Et voilà. Et raté. Non, raté. Avec ta navette. Non. Tu voulais me pousser, toi? Non, je voulais pas vous. Non, je te vois venir. Oh, le karma. Hermanos, on a un petit problème. On jure. Ouais, c'est quoi le problème? On a mis les transjets dans la flotte. Ah ouais, on est venu le faire nettoyer. Non, mais tranquille, on dirait qu'il y a du vent, il y a une bourrasque. Sinon, on en fait une sur deux et on dit on a tout fait. Hein, non, il y a des caméras et tout, ça va pas. Et moi, je suis pas un arnaqueur, moi, je fais bien mon travail. Hein. Tu es trop honnête, c'est ça le problème. Bah, moi, je gagne mon argent comme ça, je suis honnête, tu vois, j'arnaque personne. Je suis un rat, mais j'arnaque pas. Il a vraiment des goûts de merde, par contre. Ah ouais, les gens, de toute façon, qui ont de l'argent, ils ont pas de goût. Pourquoi tu changes pas de quartier, toi, Bill? Ton quartier, il pue la merde, hein? Oui, je sais, il pue la merde. En plus, je suis tout seul et tout. Comment ça se fait? Ils font les fêtes là? Non, on fait pas les fêtes, c'est la Santa Muerte, on n'a pas les fêtes dans notre religion, non. Ah d'accord, mais ils font quoi? On a plus l'option fête de fin d'année, non. Bah ils font quoi les voisins et tout chez toi? On sait pas. Ok. C'est stylé, hein, ouais. T'as une vie lourde, oui, non? Oui, je me retrouve là à nettoyer les voitures du commandant du LSPD, j'ai honte, vraiment. Pourquoi t'as honte? Attends, je comprends c'est pas. Mon barrio le sait, mais je me fais mes... Et alors? Mais hein. Bah, pourquoi? Me mettre en sacrifice, c'est sûr. Ils vont te mettre sur l'autel. Je te promets. Mais pourquoi? Pourquoi c'est la honte? Mais parce que c'est la police, hein. Et alors? C'est quoi le rapport? Fais pas ça avec la police, t'es fou, quoi. Ouais, John. Hé, hey, Richie, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Si une meuf me trompe, je fais quoi? Si une meuf te trompe, tu fais quoi? Ouais. Je sais pas, Bibi, tu fais quoi si un gars te trompe, toi? Je le brûle, je le découpe et je noie les morceaux. Tu le brûles, tu le... Non, tu vas pas le découper. Bah, je sais pas, frère, rends-la jalouse. Essaye de lui faire payer. Comme ça, elle va se dire, putain, pourquoi je l'ai trompé? Mais non, en fait, c'est trop un beau gosse et tout. Ok. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. C'est un mec à qui j'ai loué une zone torno, il croit que je suis psychologue ou quoi? Je vais faire payer mes conseils, moi. Mais en plus, il y a une psychologue à l'hôpital, elle a jamais les clients. Ouais, mais bon, après, c'est Sophie, non? Un partnership avec elle, oui. Ouais, Hans, il a eu une heure avec elle, ça a rien changé. C'est vrai. Oh, laisse tomber. Un hermano, il a mangé son frère. Je crois que je devrais l'emmener voir Sophie. T'as un quartier quand même bizarre, hein? Un petit peu, oui. Comment ça, il a mangé son hermano? Je sais pas trop, j'ai pas compris. Il a faim ou quoi? Oui, je crois. T'es vraiment en train de nettoyer les murs, là. Bah quoi? Eh, hey, je t'ai dit, je fais bien mon travail, moi. Attends, le mec, il a un ascenseur, hein, quand même, dans son garage, hein. C'est une dinguerie, hein. Où est-ce qu'il va, l'ascenseur? Je sais pas, il est en panne, je crois. Il va au sous-sol? Aucune idée. Bon, vas-y, je crois que c'est bon, hein, je vais l'appeler. Et je pense qu'on devrait faire semblant de travailler encore un petit peu, c'est trop rapide. Tu penses? Bah viens, on sort les poubelles et tout. On sort les poubelles et les déchets, il y a des bouteilles ici, regardez. Ah, il y a des bouteilles de merde, là. Je vais les sortir, je vais les foutre dehors. J'ai trouvé une bière. Il en restait un peu. Ouais, bon appétit, hein, c'est cool. Vous êtes dégoûté. Elle est dégueulasse. Ah, tranquille. Ouais, tranquille. Foulez juste dehors, là. Putain, mais c'est une sacrée baraque ici, hein. Non, mais vraiment, mais magnifique. Trop belle. C'est quoi là devant là? C'est une église, ok. T'as arrêté de boire? C'est bon, je travaille. Attends, vous avez taillé un petit peu les buissons aussi ou pas? Oui. Moi, je n'ai rien fait. Ouais, merci de ton honnêteté. Pardon? Oui, alors? Ouais, commandant, c'est Richie. Ouais. Pour vous dire, là, on est sur la finition, on est en train de sortir tous les sacs poubelles, les bouteilles vides, etc. Donc on a presque fini. Ok, je vais venir voir ça et puis on est bon, merci. Ça marche, bah, je vous en prie, bah, je vous attends. Venez, allez, bon courage. Comité d'accueil. C'est marqué bet you can hit
Mais oui, the quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis bête, mais je fais des hits au quartier. Oh, ça se voit, tu partais à l'école, toi. T'as fait des études? T'as fait des études, toi, ou quoi? Non, seulement le mardi. Seulement le quoi? Le mardi. Le mardi. Attends, il y a un numéro qui m'a appelé, je sais même pas qui c'est. 48. Ouais, allô? Oula, oula, ouais. C'est qui? C'est... Ah, c'est le mec qui m'a appelé devant la bijouterie. Ouais, exactement. Alors, c'est passé comment, le braquage? Une partie de l'équipe s'est fait choper, une autre partie, ouais. C'est bon. Putain. Eh, attends, et ma Rolex, du coup? Ta Rolex, j'ai pas le gossé qu'on s'est fait péter, il y a trois quarts du butin, okay. Alors... Attends, sérieux secondes, je demande le prix. Bah ouais, mais là, oh, ils mettent des RC et tout, ça rend ouf. Casse du coup, les fait baiser. Ouais. Bon, bah vas-y, force, hein. Ouais, force à toi. Putain, je voulais gratter ma Rolex, les chiens, ils se sont fait péter.